video trip, get you a show that you always get. Alice? Ouais. Et voilà. Merci. Non. Alors aujourd'hui, on est à l'exposition du Marathon d'Ottawa. On vient juste d'arriver, alors je vous invite à nous suivre. On va aller voir qui on peut bien rencontrer aujourd'hui. Puis je ne sais pas combien il y a de kiosques aujourd'hui à l'exposition du Marathon, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y avait même une file dehors là, d'environ une demi-heure d'attente. Là. C'est incroyable, là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, suivez-nous! Avec Denis Terrien du Marathon de Québec et j'ai l'occasion de lui poser quelques questions. Alors, bonjour Denis. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Nous, on vient juste d'arriver à l'expo, là, c'est super. Je voulais savoir quelques petits détails à propos du Marathon de Québec. C'est quoi le trajet exactement? Je sais que le trajet, ça nous permet de voir un petit peu la ville de Québec, c'est ça? Un petit peu, puis beaucoup, parce que le trajet, finalement, le marathon, débute à Lévis, sur la rive sud. Okay. On longe le fleuve Saint-Laurent sur la première moitié pour atteindre finalement le pont de Québec. D'accord. Et on termine sur la rive nord, allongeant à nouveau le fleuve Saint-Laurent jusque dans le Vieux-Québec. Alors, un parcours très rapide, parce que le départ, les 12 premiers kilomètres sont descendants tout le long. Okay. Alors, mais il y a le pont de Québec à monter. Oui, c'est ça, on prend le pont pour aller sur l'autre rive. Exact, on ne prend pas le traversier non plus. Puis on passe par le Vieux-Québec aussi un petit peu. L'arrivée est où exactement? L'arrivée se trouve dans le Vieux-Québec, mais dans la partie basse de la ville. On termine tout près de la vieille gare de train, la gare du Palais. Alors, c'est très, très beau comme parcours, très, très panoramique. Ça fait combien d'années que ça existe, ça, le Marathon de Québec? Il a atteint sa majorité. Cette année, il va fêter ses 19 ans. Alors, donc, 19 ans consécutifs, un événement majeur dans tous les sens du mot. Et puis la date exacte, pouvez-vous le dire pour nos auditeurs? Alors, cette année, ce sera le 28 août. On a aussi des courses le vendredi le 26, samedi le 27 pour les jeunes. Et le dimanche, le 28, ce sera le 10, le demi-marathon et le marathon. Okay, donc, c'est un week-end complet, là? Tout à fait. Ça commence le vendredi soir par la course des étoiles, donc une course qui se fait en soirée. Les coureurs sont munis de casquettes lumineuses qui représentent des étoiles un peu sur le parcours. C'est un fun run, c'est pas chronométré. On est là pour s'amuser, on est là pour faire le dernier échauffement avant les épreuves du dimanche. Donc, une invitation vendredi soir à la course des étoiles. D'accord. Et le marathon, lui, est chronométré? Là. Oui, le marathon, le 2010, c'est chronométré, c'est le dimanche matin. Alors, on prévoit même de la neige cette année. Okay. Non, c'est une blague. Une blague. En pleine canicule, dit-il. Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé un peu de temps, M. Terrien. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Ah, tu peux-tu me donner mon dossard? Alors, en ce moment, je suis avec Mme Dominique Langelier, l'organisatrice du demi-marathon de Dumont-Tremblant. Bonjour. Bonjour. J'aimerais en fait que tu décrives aux auditeurs c'est quoi exactement les distances, à part le demi-marathon, qu'on fait à la course du Mont-Tremblant. Puis c'est ça, les distances et la date de la course. Alors l'événement est le 14 août prochain. On a 1 km pour les 11 ans et moins, 5, 10 et le 21.1. OK. C'est toutes des courses chronométrées comme telles? Ce sont tous des courses chronométrées sur route. OK. Puis, ça fait combien de temps que ça existe, ça, cet événement-là? Ça va être la 7e édition de l'événement cette année. Là, il faut que je pose cette question-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de dénivelé? Il y a beaucoup de côtes à monter, vu, tu sais, Mont-Tremblant, là? L'événement, ironiquement, est le 21 km est un événement avec un dénivelé négatif. Le 10 km également. Donc, au final, on descend plus qu'on monte. Par contre, nous, cette année, on s'assume. Donc, corsé à souhait ou not flat, just awesome. Mais par contre, on n'est pas hypocrite au marathon de Tremblant. Il y a une côte, elle peut être à pic, elle dure 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. Tu vois le haut, tu vois le bas, tu sais quand est-ce que ça termine. Donc, c'est possible de s'ajuster. Maintenant, on vient dans le nord, pas nécessairement pour avoir des plats, mais on vient pour la beauté des parcours. On court les 8 premiers kilomètres du 21 sur de l'asphalte, mais pas dans les rues, sur le bord des rivières, dans le bois, à l'ombre. Ensuite, on court le long des lacs, des
golf. Alors, c'est assez le fun comme environnement. Mais c'est pas du cross-country comme tel, c'est une course sur route? C'est une course sur route tout le temps. Excellent. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Langelier. Au plaisir de se voir au demi-marathon du Mont-Tremblant. Le 14 août prochain. Merci.